Donc bonjour à tous, nous allons parler d'un consensus assez court sur le traitement des accès douloureux paroxystiques au cours du cancer. C'est un consensus qui a été édité par la HAS en juillet 2014. Donc les accès paroxystiques douloureux au cours des cancers relèvent généralement d'un traitement par morphinique. Et en fait, ce consensus est là pour donner les directives de traitement et les conditions de traitement de ces accès douloureux pour une bonne utilisation des morphiniques. Il y a un marché très développé avec 7 spécialités notamment qui sont disponibles soit par voie orale, soit par voie transmuqueuse, soit par patch en fonction de ce que les patients préfèrent, soit même il existe des sucettes de morphinique. Et ils sont là donc pour comme traitement supplémentaire par rapport aux morphiniques de longue durée d'action chez les patients qui ont des douleurs en lien avec le cancer.